faire une vidéo pour faire des arcs, encore une fois, avec mon ami X-Dragon. Les amis, je vais vous conseiller des bubblegum. À titre alchimiste, si vous voulez avoir des munitions, moi c'est un grand conseil. Quand vous avez pas assez de bubblegum. J'en ai beaucoup, mais c'est juste que j'ai perdu mes meilleurs bubblegum pour faire Déjà des assoiffé. secrets. Moi j'ai 15 assoiffés. Moi j'ai Horace gratuit. Bah, pas ça, des assoiffés pour avoir 5 atouts. Parle vraiment de. Moi j'ai Fontaine à soda. Et assoiffé, j'en ai 3. Magnification, ça va être très utile, les amis. Automédication, ça c'est très utile quand vous êtes en solo, mais j'ai envie de faire le solo, mais c'est pas grave. On va le faire ensemble, moi puis Net Plus. On va faire des manches. Let's go. Quand vous êtes prête, vous Pas startez comment la vous game. Bon. expliquer comment faire l'arc pour commencer les autres arcs. C'est l'arc du début. Il y a, comme tantôt j'ai fait, il y avait 3 dragons. Fallait que tu prennes 8 zombies chaque dragon. Mais tantôt je m'ai juste rendu à manche 3 parce que j'ai dit que c'est. Je suis comme resté à une place où c'est quasiment impossible. Fait qu'on va Ok les recommencer amis, avec mon ami. je vais vous expliquer les étapes de l'arc électrique. Je préfère l'étape facile et l'étape difficile. C'est vous que vous choisissez. Moi, je vais faire mes trucs à moi pour faire l'arc électrique. Après, je vais vous montrer comment faire l'arc de l'enfer, l'arc de feu. Je vais peut-être faire un tutoriel plus tard, un jour. Mais c'est parce que c'est juste que je n'ai pas les symboles par cœur avec les amis. On va essayer de faire ce petit tutoriel. Si vous pouvez vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Lâchez la tonne de likes pour que je fasse plusieurs arcs ou toutes les arcs en une vidéo. Je préfère comme le youtubeur anglophone en zombie. Et là, on va pas, vu qu'on fait pas ce écran, on est vraiment obligé de Et pas de se là, la dépêcher. capsule dans laquelle est enfermée notre cher Ramsey se trouve à bord de cette fusée. Et là, j'ai pogné arrière-goût. Je le pogne pas parce que j'en ai pas besoin. Vu qu'on n'est pas à la dernière étape du secret, on tue les zombies. Tu veux pas aller tout seul? Accepte l'augmentation Je fais salariale. des points. Demain, laisse. Toi, tu payes la porte à 750, moi je paye la porte à. Ah, ben oui, pourquoi on n'en fait pas cette technique-là? C'est plus simple en fait. Parce que sinon, je ne garde pas de zombies. À vous. Cabon, non, Je vais ouvrir la porte, j'ouvre la porte. Ah, ben t'as t'aurais pas plus. encore 1000 points, puis moi je. Oui, je sais. Mais t'aurais pas Va prendre le encore sang. avoir 1000 points, puis on aurait pu garder tes 1000 points, puis ouvrir les deux prochaines portes. On doit me laisser. Mais René. Et là, pour faire l'arc standard ou l'arc des anciens, vous devez nourrir 3 dragons. Il y en a une ici, il y en a une en bas, il y en a une. Imaginez, je suis là bas. L'autre bas, ici, là-bas. Ici, comme on pourra pas dire, là. Aïe, aïe. Ça fait mal, des grenades. Là, on va nourrir le petit dragon. Ouais, Ici, prendre vous les zombies. voyez, c'est le petit bras de Panzer pour faire le cas du Panzer. Vous devez tuer 3 Panzer avec. Là, on va attirer les zombies. Moi, je vais tuer, hein, parce que je vais avoir ses coups. Attention, on est derrière Oh, toi. oh, 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 oh. Les amis, si je meurs. Oh non, je les ai brain! Je les ai brain! C'est quoi ce jeu-là? Oh, je les ai vraiment brain. Je vais éliminer le plus rapide ici. Oh non, je suis mort. Désolé, les amis, je suis down. C'est parce que j'ai tout fait pour tuer un zombie pour avoir des points. Pour avoir des points, pour ouvrir Arrête les de portes. bouger. Pas besoin. Oui. Appelle-moi X-Dragon, si je serais bien. Regarde, j'ai même pas fait carré puis j'étais réanimé. Moi, je sais si je connais ce gobble-gum-là. Ah, je vais esquiver. C'est plate que j'en ai fait. Ouais, juste. Ils ont utilisé leurs dents. Maintenant, je suis plus furieux que jamais. Oh non, on a tué deux en même temps. Bon, les amis, on n'est pas pressé. On prend notre On va temps. prendre notre temps juste pour vous bien expliquer. On va bien expliquer. Là, on a tué plus qu'est-ce qu'il fallait.
À deux, je sais pas combien, mais je devrais calculer un jour si je suis deux. Maintenant, on va se préoccuper sur les zombies. Là, il reste au moins deux zombies à la manche, mais je pense que ça va en prendre un puis il va être fini, parce que je l'ai assez fait cet arc, l'arc des anciens. Il en reste un. Fait que je vais l'attirer. Je tire des balles, parce que je vais avoir plus de points que possible. Avoir 2130. Quand nous avons quitté le géant, j'attends qu'un de mes ennemis m'appelle. Il est même pas terminé. Je vais ramener la fusée sur terre. À tout prix. Juste en maintenant, allez, M. Pas besoin de détails. Des bonifications, ça valait la peine. De plus, je vais m'en aimer quand tu pourras. Tu me dis que t'es mort parce que moi j'ai fermé l'application, bref, que tu vas être mort. Go, 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 t'es. Déjà, je vais attirer tous les ennemis par ici. Après, je vais attendre qu'ils soient tous vers moi. La technique. Après, je passe par ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je me dépêche le plus rapidement possible et je les ranime. Après, cours. Allez, sauve-moi. T'es prête? Moi, je vais mettre toutes mes bonifications. Ah non, j'ai même pas eu mon bubblegum! Ça, je l'ai toujours cancellé. Oh non. Vous avez les amis, ça a tout gâché. C'était quoi? Attends. C'est toutes les brains. Non, je suis mort. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm fucking dead. Je bougerai pas. Attention, il va y avoir au moins 2-3 zombies. Passe par le trou, par le trou, par le trou. Oh, t'es tout esquivé. Pas si je suis mort là. C'est vraiment pas grave. Attention derrière. Ouais, j'ai entendu. Je suis rouge comme une tomate. C'est fini. Non. T'es bloqué. Ça sert à rien, je suis mort là. Ouvre la porte ou. Non, non, non! Fais-toi des points, fais. Lance des grenades, lance des grenades, lance des grenades! Grenade, grenade, grenade! Spam les grenades parce que tu vas avoir 1000 points. 1250 quand tu. Lui, tire des balles. Ok, prends la bombe. Prends la bombe, prends la bombe, spam. Bah ouais, c'est moche. François, président! Mais François, François, président! C'est quoi tu vas flasher le prochain? Les bateaux? Je suis médecin. C'était une chambre d'enfant. Elle est pleine de. Ok, go. Les amis, je sais, j'ai 3 blessures. Mais au moins, j'ai tenté le tout pour le tout possible de faire le moins de manches que possible. Comme ça, le temps d'abdo dure le moins longtemps possible pour faire l'arc. Ici, voilà, pas ça comme ça. François président. Ça va au deuxième. Ici, un pièce du bouclier. Ici, c'est notre place. Oh non, non, ça se mérite pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Quoi? Y'a rien à faire avec toi, hein? On t'a perdu, hein? Mmh. J'ai
C'est fini, hein, Francis? De quoi? C'est fini, hein? De quoi? On t'a perdu, là. On va mettre la chambre, ils sont pour plaisir. Ah non, c'est vrai, ils sont fourrés dans la chambre, hein? Ça part bien. Oh, c'est quoi ça? Mathis, viens m'aider s'il te plaît, c'est que genre... De quoi en est-ce plus? J'ai plein de... des zombies. T'as oublié quoi? Si tu peux venir, je vais construire le prix. Alors, ouais, parce que ça serait très utile pour faire les kills avec les amis. Parce que sinon, j'ai la misère à les one shot. Et pas Windows Vine, ok. Ah, ouais, je me suis fait triple tap. Déglinguer tout avec ton bouclier, fais genre une ligne, tu actives ton pouvoir. Je sais pas, essayer de tuer dans tes parasites le plus que tu peux. Oh non, t'es pris. Non. Active ton pouvoir de ton bouclier. Ranime-moi. Fais le plus que ce que. Prends-toi un bouclier. Expliquer ce qui s'est passé. Ouais, c'est pour ça que je suis mort. Passe pas. D'être plus à l'aide! Merci! Je suis down. J'en ai pourri comme ça là. Hey, ils vont vite là. Arrive derrière toi. Ok. Oh, j'ai plus de balles. Tu restes des balles. Ok, si je me laisse tuer, c'est normal. Je vais avoir un nouveau bouclier. Si je peux susciter, c'est normal, c'est que je vais avoir un nouveau bouclier. Parce que... Non, non, je vais les laisser me péter mon bouclier. Quel genre de docteur prescrirait des bonbons? Munition en masse! Mais c'est reparti! Reparti! Ok, je pense qu'il reste un zombie. Ah, il reste un ou deux. Salut. Protocole de sécurité 935. Non, non, en fait, le char de Maxis et sa fille a déjà été réglé. Encore en allemand. Hein? Ok, on s'en va en bas. Si j'ai faim? Ben, je t'appelle une game. Où on s'en va? Ok. En zombie, puis en pleine vidéo avec Net Plus.
Mike Emmerick. Ben, j'étais en pleine game. En plus, en pleine vidéo, ok. Ok, moi qu'on a fini. Ok, attends, je vais attendre qu'il pète mon bouclier. Ok, go. Ok, fait que le gars, comme vous voyez, l'arc est ici. On parce qu'on a des trois dragons. Là, il reste assez d'un dé pour faire nos arcs. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je fais l'arc du dos. Puis mon ami X-Dragon fait l'arc électrique. L'électricité. Ça. Puis moi, il y a 4 cadres. Faut que j'essaie de trouver une moi, suite. Moi, il y a genre ici, vous tirez une flèche. Il y a comme là, comme vous voyez, il y a des bruits comme ça. Le petit poulain, il va tourner. Faut que vous regardez sur le cadre. La flèche. Vous tirez genre juste les zombies. Vous mettez votre flèche. C'est juste ici. On peut vous checker. Il y a comme là, c'est pas lui. Maintenant, je sais c'est quel cadre. C'est lui. Mathieu, est-ce que tu pourrais me payer ma porte? Oh, ça va, non? Est-ce que je fais mon cadre? C'est quel, en bas? Ouais, où je suis. C'est combien, 1500? 1000. Non, mais ok. Je veux tuer Zambi parce que je vais pas me faire gosser. Il y a comme là, vous voyez. Là. Là après faut que j'essaie de trouver un autre cadre pour que ça fasse une suite. Puis il y a plusieurs combinaisons, c'est pas toujours les mêmes. Il y a comme là faut là mon cadre là-bas. J'ai pas eu la suite. Fait que là faut que je retourne les amis, là-bas. Après j'ai fini les deux piliers de feu, comme ça. Vous allez moi ma technique. Là, j'ai, vous avez vu ma technique. Là, je m'en vais réessayer un autre cadre. Après, vous allez visiter ici comme ça. Lui il a pas marché. Fait que là faut que j'ai essayé un autre cadre. Et voilà, je l'ai. Ah, les amis, après vous avez 30. Ben, là, moi vous avez eu vos 3 piliers. Là, j'ai pas besoin de retourner là-bas. Exemple, vous pouvez faire celle-là de la fusée, puis celle-là comme ça, vous regarderez. Après, quand vous avez fini, les amis, vous allez payer cette porte. Ah. Et on va passer une manche parce que là, j'ai passé de points. Maintenant, tu peux les amis. Assez de panier aura gratuit. Comme là vous voyez, il me reste un cadre puis j'ai fait la suite. Voilà, là j'ai fini. Oh là, on a un petit atout gratuit. Ça fait plaisir. On a eu. Moi j'ai eu recharge rapide, speed quoi, comme on peut appeler. Vous avez ça comme vous voulez. Oui. C'est quoi l'atout avec un araignée? Comme là ici je m'envoie ici. T'as une Windows Line. Windows Vine, tout seul. C'est comme des Samtex avec des toiles d'araignée, ouais, check. C'est des toiles d'araignée, c'est comme Shadow of Evil, tu sais, la toux en bas, là, à côté de la bête. Mais c'est ça. Ici, je fais carré, là, j'ai pris ma flèche. Là, je m'en vais au test de fusée. Mais ça dérange pas, c'est parce qu'il faut que je fasse des points pour payer la porte. Et j'ai pas cher à le tuer. Non, mais ça me dérange pas. Ah, ça va être la manche des loups. La manche 6. T'inquiète pas, tout se passe très bien, ça. Il se passe. Ok, vous allez prendre. Vous allez faire le test de gravité. Là, vous allez coller le mur de ce côté. C'est la technique la plus facile pour faire le petit truc. Après, quand vous avez fini votre
La deuxième étape de votre arc. Vous allez tuer les loups qui nous gossent. La gosse des loups, c'est ça, non, c'est des petits loups, des petits chiens. Tous mes sont chiens, ces petits chiens. Ils sont tout mignons, mais ils font mal. Imagine du sol, les chiens de même dans la vraie vie. Ouais, ça, moi, j'aurais peur. Ketchup. Net plus. Hein. Merci. Ok, on n'a pas encore assez d'argent pour payer. Parce que cette porte-là, c'est la porte pour se téléporter. T'es obligé d'aller là pour te téléporter. Ah oui, pour faire le secret du Teddy, comme on peut appeler, ou le petit secret de la musique. C'est ici le deuxième Teddy. Comme ça. Vous êtes carré dessus. Après, on prend pas 900 points de mastodonte. C'est pas déjà fait. Donc vous allez tourner. Et là vous allez esquiver. Les zombies. Moi je les ai esquivés. Moi je monte pas ici comme si c'était rapide. On va se diriger. On va faire des kills avec des zombies. Si je peux ce que je fais celle-là, est-ce que c'est plus difficile? Tant que je souffre, vous souffrez tant avec que moi. Je souffre. Voilà, il va y avoir les hommes, les amis qui vont se diriger vers le pot, comme ça. Ah oh, Mathis, pourrais-tu me payer le portail à 500 ou t'es pas encore en tout cas? Ben là, attends, j'ai juste fini mon petite étape puis je vais me téléporter. En même temps, fais-toi des kills pour payer le téléporteur. Attends, j'ai des amis, fait que j'ai tué. Ok, il y aura une petite boule dans les airs, il va y avoir une petite, une genre de petite sphère. Excusez, faut que je paye la porte. Et là, je vais attendre un peu. Là, vous allez ici, puis attention. Quand vous attendez un bip, bip, ça veut dire que la fusée va partir. Vous voyez ici, il y a un drapeau. Vous allez en mode de... Faut de police de nature qui était underground. It's right to the ground. Vous tirez sur le drapeau. Vous dégagez de la fusée. C'est ici. Allez, il voit ta flèche, vous maintenez. Attendez, que vous n'avez pas de bip. Retenez votre flèche. Moi, une petite technique, vous voyez le pilier, vous collez le mur et vous êtes par au-dessus de la petite fumée. En fait, vers ici. Ah non, un petit peu plus haut, les amis. Si dans la vidéo vous l'avez eu, bravo. En fait, je fais les piliers. En fait, que lui, j'ai plus de chance de l'avoir du premier coup. Celle-là, j'en ai moins. Celle-là, faisait une fois sur deux. Puis celle-là, où on peut dire la piste du bouclier, un peu. Ouais, je peux pas retourner parce que j'ai pas 500. Faut savoir si vous l'avez eu. Il va avoir une source d'électricité. Puis si vous retournez où vous avez eu votre flèche avec le feu électrifié, s'il est encore comme ça, il faut que vous rentrez ici parce que là, il va partir. Ou ça, si vous voulez faire la pièce de DG4, vous allez à côté du pack-a-punch en bas des escaliers. On va se concentrer bien comme il faut pour l'avoir. On l'a eu. Il y a une éclair. Un beau spectacle avec des flammes. Vous êtes fan de en un cheval. Ouais, ça vient que ça, toujours d'attendre. Les amis, j'ai failli down, ou je peux dire tomber à terre. Mais comme par chance, les amis, j'ai eu l'idée de tirer mon bouclier parce que mon ami n'a pas pu me réanimer parce qu'il était au test de fusée. C'est très utile le bouclier. Prenez votre bouclier, vous retournez et voilà. Puis aussi, je serai down, puis j'aurais perdu mon atout. Recharge rapide. Et là, je peux payer le téléporteur. Je vais payer un à mon ami parce que il y a pas 500. Aussi en même temps, laisse-moi faire des kills parce que j'ai besoin de faire mon arc. Ici, il y a le petit pot. Vous essayez de faire des kills à proximité. Et là, vous en faisiez des kills. Faisiez des kills. Là, je prends le téléporteur.
la taille que j'ai pris tantôt quand j'ai tiré sur le drapeau. Une boule d'électricité comme une jaune sphère électrifiée. Je m'en vais ici. Puis là, c'est, vous voyez très bien. Parce que c'est dur à voir. Même moi, la quand vous l'avez. En même temps, vous allez déporter la pièce du pack à punch. Si c'est ici, il faut le pack à punch. Il y a un squelette. Puis vous faites carré. Puis la tête va mettre. Vous voulez que je fasse le secret? Ben, si vous voulez savoir les étapes du secret, allez dans mes anciennes vidéos de derrière. On a eu deux tentatives qu'on a toutes faire les deux. C'était vraiment C-H-I-E-N. Là, je suis le loup. Puis faut que je fasse des kills proches. Puis là, faut que je tire. Puis à un moment donné, il va être plein. Fait que là, il va changer de place. Ouais, ici, le petit loup. Il est tout mignon. Je suis juste goût d'avoir un chien comme ça. Ok, là, c'est le dernier pilier de l'électricité pour commencer par celle-là. Après celle-là là-bas, comme j'ai fait là-bas. Après vous venez pas le celle de la fusée, mais moi je le fais dans mon ordre que je trouve le plus rapide. Ça veut dire. Moi je fais celui-là le plus difficile au plus facile. Doucement je suis, mais sinon on aurait pu finir. J'aurais pu finir mon carnage 9. Là, il va tuer le zombie. Pour honorer son petit chien, comme vous voyez. Un jour, je montrerai le tutoriel pour faire l'arc du chien. Mais là, je peux pas parce que je suis en train de faire ouais, l'arc du loup, hein, en tout cas, pas appeler comme vous voulez. Là, quand il fait un petit grognement, ça veut dire que vous prenez la pièce. Prends la pièce ici. Là, le chien bouge. Vous suivez le chien, ben, le loup ou le chien, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Voilà. En même temps, j'explique. En mettant ici faire l'arc parce que ça fait au moins sa sixième, sa huitième game qu'il fait sur cette map. Moi ça fait au moins ma centième parce que ça m'a plu, je joue depuis sa sortie. Double point plus kaboom, très utile pour faire votre arc. Mais on va avoir beaucoup de points, fait que c'est très utile. On va avoir des points, mais c'est pas utile. Comme là vous voyez, gars, il creuse là. C'est le fou que tu tues. Hein? Je suis docteur. Je vous prescris de grosses piqûres. Je présume que vous cherchez à vous procurer les résultats des travaux du groupe 45 pour exécuter vos ombres des saints. Sachez une chose, mon ami. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne quittiez pas ce château. Après vous avez récupéré, vous faisiez la petite source électrique comme je vous ai montré dans la vidéo. Prenez après la flèche. Je suis encore le loup. Vous descendez en bas. Après, il vous donnera un munition max quand vous aurez porté votre flèche. Vous avez l'équipe. Après d'avoir fait l'équipe, ça va faire monter la flèche, ça va faire un bruit. Ici c'est pour l'arc du loup. Ici c'est pour l'arc de feu, bah, il est des enfers. Après cette manche, je vais faire l'arc des enfers pour vous faire plaisir, mes amis. Ok, là. Je vais déjà vous montrer. Vous voyez ici, vous tirez, puis ça va activer une plaque, puis vous mettez les trois affaires que vous avez récupérées ici. Non. Dans les. Là, puis tu fais carré. Mange 10 pieds. C'est gros. Tu m'as dit qu'est-ce que je mange? Moi, tu t'aimes ton pied. Dans les commentaires, c'est très grave aussi. Manger une fois par année, c'est correct, mais pas deux. Ni trois, ni quatre, ni cinq, ni tous les jours. Ça va faire vraiment engraissir, je peux vous le dire. C'est pas la meilleure idée pour avoir un régime, si je peux juste vous le dire. Mais c'est bon. Mais c'est moins peur qu'un bacon. J'en mange au moins. Ok, Mathieu, t'as-tu fini tes armes? Bientôt. Ah, t'es en train de le faire. Portez, ok. Comme vous voyez, ça l'a vraiment bugué, puis encore. Une barre, fait que je sais pas, ça fait une down. Là, faut que j'attends le test de gravité. S'allume. Le seul zombie. Ah je sais, j'ai plein de zombies après. Ok, parce qu'il y a un ils sont. Parce que oh, désolé, je bug.
C'est plat comme vidéo. Les maintenant. Je vais pas lâcher. Comme ça, entendre un bruit comme ceci. Allez, votre arc dans le tombeau, comme je peux appeler, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous prenez votre arc quand il est fini. L'arc électrique est fini. Ah, laisse faire. Comme là, vous voyez, je fais ça. Comme ça. Et moi, les amis. Comme vous voyez, là, vous voyez la plaque. Comme ça. Mmh. Ici. Non, là, c'est vrai que c'est bon, mais c'est même plus que bon, moi, je fais ça. Là, on a fini notre arc électrique. Il n'y aura plus de choses comme ça, on ne l'aurait jamais fait. Ok, Mathis, passe pas la manche, ok. Ouais. Ok, aujourd'hui, après, on va faire l'étape de l'arc de l'enfer. C'est l'arc, un, pour moi, un des plus faciles. Enfin, un des moins faciles dans ce jeu. Et bah, quand vous avez celui ici, il va y avoir une flèche qui va tomber. Faut t'attendre. Il est en plein tutoriel, fait que s'il te plaît, quitte. Dites-moi, après, c'est quoi le secret? Après, vous allez avoir... C'est quel secret? Il est marqué secret. Il m'a mute, les amis. Okay. Si vous n'entendez pas, c'est pas ma faute. Dans la partie chat. Ok, après, je quand vous allez avoir votre jeu. Moi, je vais aller prendre mon bouclier. Et qui tout pas, je vais... Mathis. Ben oui, bravo, Québécois. Comme ceci. Mathieu, je suis mort. Mon ami est down. Je vais aller le ranimer. Parce que j'ai bugué que... ça. Mais j'ai pas bugué, j'ai l'ai il a bugué. Sa connexion est à 3-4 bars. C'est un petit bug de connexion. C'est pas passe sa faute. Passe pas la manche, ok. Ça bug. Je vais le ranimer. Il va avoir le ami qui va me taper dans mon bouclier. Non. Il a tenté, mais si je l'aurais ranimé plus longtemps, il aurait touché le bouclier. Si vous me demandez pourquoi j'ai tout de bois, c'est parce que je fais un tutoriel, c'est que le tutoriel je prends cette voix. C'est moi, pour moi c'est parfait pour une voix de tutoriel, c'est ça moi. Là, j'ai besoin de lui, c'est que je viens de faire une petite boîte. Je prends, j'ai eu le NHL. Mais... Désolé. Il est down encore, c'est pas grave. Je vais aller le ranimer, ça sera pas long. Je vais me diriger juste vers lui. Si un ami qui me bloque, je vais le tuer, j'ai pas le choix, c'est parce que je veux vraiment le ranimer parce qu'on fait un arc puis c'est très utile. Je vais me dépêcher pour le ranimer. Parce que s'il est down complètement, c'est pas de sa faute. C'est sa connexion. Ou c'est parce qu'il a tenté, mais qu'un zombie qui a sauté avec lui. Parce oui, c'est que ça. Les zombies sautent sur ce jeu. Je voulais sauter, mais il me frappait. C'est la première fois que ça me prend autant de manches pour le réussir. Oui, test de gravité. Crime, je me gèle comme c'est fou. Moi dans ma vidéo, tu te téléportes. Attendez, je vais prendre les zombies. Je vais en prendre juste un. Je vais prendre lui qui est plus endommagé. Je vais en tuer un. Pas le choix. Ça va pas long, je vais arrêter de bouger pendant quelques secondes. Non, mais j'arrête pas de le rater. Les amis, cours. Vous vous dépêchez à se rendre. Ici, vous pouvez faire la manche. Là, vous voyez, vous faites carré ici. Puis là, après, il vous donne votre flèche. Là, je me demandais pourquoi je fais des allers-retours. C'est parce que je vais avoir plus de choses de poigner le petit carré. Et là, je l'ai pas poigné. Puis là, vous voyez, ici, il y a deux logos de loup. Vous faites carré. Là, faut que je fasse la flèche. Puis après, j'ai mon arc.
On va prendre 5 tapes au moins. 5 coups de couteau. Et non, ça, on va prendre un dernier. J'ai tué le dernier zombie, c'est pas grave parce qu'un de mes amis aussi a besoin du kill. Parce qu'il y aura déjà la dernière étape de son arc. Nay, Aldi, tu as dispersé des crânes. Il y en a un ici. Le prochain crâne, je vais tuer les ennemis, je vais prendre le jeu. Ici, vous allez monter. Vous allez regarder cette petite fenêtre ici. Mon ami va peut-être mourir parce que ça a la connexion lag. T'as 2-3 barres, une barre, 1-2-3 barres, 4 barres. J'ai plus de bouclier. Mon ami, vous allez vous diriger comme le même endroit que la vidéo. Vous voyez, tous les amis, tout ce que j'ai là, de faire mon arc. J'ai esquivé au moins 3 ennemis. Si vous trouvez que ça gosse, non, bon, vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a un fan. Andy a rejoint le groupe. On est en plein tutoriel. Si tu as peut-être, tu peux se quitter. Ou si tu veux pas, c'est pas notre problème. Non, mais j'ai pas. Vous avez une tête de crâne ici pour faire l'arc de l'enfer. Ici, mais il y avait l'autre vie dans la voiture qu'on peut faire carré. Vidéo, le tutoriel. Mathis, peux-tu m'aider? Je suis là, il y a un. Je vais prendre une micro-pulseur, frère. Mais pis, quand même. Ça vient sur notre chaîne après. Déjà, peut-être que je vais le mute parce que je vais faire mon tutoriel avec un épouse. Oh, ta gueule, c'est juste. Merci. Et bien, les amis, Dieu, jamais te dépêcher. Parce qu'il y a plein de amis devant. Et là, ouais, est-ce que c'est toi qui le kick? Oui. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, Andy, si tu écoutes cette vidéo, je sais que tu vas te dire pour qu'on te kick. Non, parce que t'es tout sérieux. Pour ça, pas de problème de te regarder. Si tu écoutes cette vidéo, ben le live de n'est plus. Juste parce qu'on t'a kick, parce qu'on est en train de faire le tutoriel. Et qu'en avant de pas de mes amis, juste parce qu'on t'a kick, c'est pas ma faute, c'est n'est plus qui t'a kick. J'insulte pas personne. C'est juste que. En gros, c'est seul. Mange juste, c'est le pain de verre. C'est vrai, fais attention parce qu'il peut spawn soit vers moi, non, soit vers n'est plus. Faut faire vraiment attention parce que le Panzer il peut vous figer déjà. Après vous voulez faire un combo comme je peux appeler, après vous enflammer comme ça vous êtes figé. Si c'est plus puissant en fait, action l'enflamme. Après il y a un train dans la boîte de jouets de Samantha. Ok, je veux juste te dire, il était avec moi. Après on va aller tuer le Panzer. Il n'est plus, j'étais à 3 barres, il a, c'est pas sa faute, c'est sa connexion. Et si vous demandez pourquoi il dit qu'il a, c'est parce qu'il est à 20 barres. C'est vraiment un lag, vraiment. Et là, je vais regarder, je vais aller sur le Panzer, s'il est pas loin. Il est où le Panzer, est-ce que tu l'as tué? Je vais prendre ça pour un oui. Ouh, et t'as Ida. On est sur très rapidement. Et je vous dis, c'était tout ce peu de cette vidéo. Merci d'avoir regardé mon tutoriel sur BO3 pour faire l'arc électrique. C'était tout pour cette vidéo. Vous vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez la touche de notification et bombardez la barre de like si vous le pouvez. C'est pas très long. Et si je fais, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était la fin de cette vidéo. Si vous avez la misère de le faire, puis je vais vous le refaire la vidéo. Mais j'espère que vous avez compris. Bye, je vais désabonner.